La paix sur vous les Rajouls, j'espère que cette vidéo vous trouve en forme, en pleine santé. Ouaga, j'espère que vous avez la pêche. Voilà, moi je suis dans un super bocal là pour terminer l'année 2018 en beauté. Regardez-moi cette mer magnifique. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est à propos des bonnes résolutions, mon Rajoul. Souvent, fin d'année, début d'année après le jour de l'an, on est tout plein de bonnes résolutions. On veut tout de suite faire ci, faire ça. Mais on ne tient absolument pas nos résolutions. Pourquoi? Parce qu'il nous manque deux qualités. Tu sais très bien que moi, je suis le défendeur de ces deux qualités. Tout le monde cherche la pilule miracle, etc. Mais ça n'existe pas. Pour moi, il y a deux qualités qui sont sous-jacentes à toutes les autres. Et quand tu fais du développement personnel, c'est par là que tu dois commencer. Discipline. Quand je dis discipline, c'est l'autodiscipline en français. Discipline en anglais. Et focus. Donc focus, la concentration, être capable de se concentrer sur une seule chose à la fois. Pourquoi je te dis que ces choses-là sont très très importantes? Parce qu'à partir du moment où tu es discipliné, tu vas être capable de perdre du poids, tu vas être capable d'apprendre à dessiner, tu vas être capable d'apprendre l'anglais, tu vas être capable de faire des tas de choses, de prendre un projet, de le mener d'un bout à un autre. Et lorsque tu développes ta capacité de concentration, tu vas être capable de rester concentré sur une seule tâche, sur un projet, et tant qu'il n'est pas terminé, abouti, que le résultat n'a pas été obtenu, tu ne lâcheras pas l'affaire. Et ça, pour moi, c'est deux qualités fondamentales qui vont te permettre de tenir tes résolutions. La deuxième chose, au-delà de ces deux qualités, ça c'est le sous-jacent. Après, c'est comment définir tes résolutions. Pour moi, il faut partir de quelque chose que tu désires réellement. On a tous un rêve, certains en ont plusieurs. Moi, j'en ai plusieurs, mais il y en a qui surclassent les autres. Il faut commencer par celui-là et essayer de se concentrer sur un projet qui va te faire avancer, faire un grand bond en avant vers ce rêve, d'accord? Voir si c'est quelque chose qui est atteignable avec un seul projet, une action, te concentrer sur ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as sélectionné quelque chose qui te tient réellement à cœur, ce sera beaucoup plus simple pour toi de réaliser, d'atteindre ce rêve, d'atteindre cet objectif. Et en plus de ça, si tu as développé ces deux qualités sous-jacentes qui est la discipline et le focus, tu vas non seulement développer une méthodologie qui t'est propre pour pouvoir réaliser tes objectifs, atteindre tes rêves, mais aussi grâce à ces deux qualités, être capable de les transposer sur n'importe quelle chose que tu feras dans la vie. J'espère que cette vidéo t'a été profitable, mon Rajoul. Profite un maximum. Donc, pour ceux qui fêtent les fêtes de fin d'année, etc., vos familles, etc. Et c'est quand même un moment où en général, on est en vacances, on se repose. On prépare l'année d'après. C'est important aussi de bien planifier ton année 2019, mon Rajoul, pour pas que l'année 2019 soit ton année, celle où tu seras en santé, celle où tu auras la pêche. Tu vas devenir une machine de guerre. Ah, ouaga, mon Rajoul, à très bientôt. Ciao.